Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette matinale de l'IFRIS qui sera donc consacrée à la question de l'accaparement des terres à la suite de la publication d'un ouvrage qui a ce titre, Au-delà de l'accaparement, qui a été coordonné par 4 auteurs, dont 2 sont présents, Laurent Silva, Castañeda et Étienne Verhaeghen. Laura est postdoctorante à l'IFRIS depuis maintenant 2 ans. Et donc, c'est son dernier mois, je crois, de postdoc. Et je suis très heureux que ce cycle de travail avec l'IFRIS et les équipes de l'IFRIS termine avec cette matinale, car c'est une des vocations de ces discussions en public, d'amener sur la place publique des sujets controversés, pour faire de la science publique, comme dit Burawai, ou de la sociologie publique. Nous avons demandé, Laura a demandé à 2 personnalités de venir commenter ce travail. Nous avons donc M. Pablo Luna, qui est historien, maître de conférence à la Sorbonne, qui a travaillé sur les questions de réforme agraire et d'accaparement des terres. Et à mes côtés, Jean-Pierre Jacob, qui est anthropologue à Genève, à l'Institut du Développement de Genève. Ça s'appelle l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement, maintenant, à Genève, et qui est aussi un spécialiste de ce sujet, et qui avait d'ailleurs dans sa pochette 3 ouvrages dans lesquels il a participé ou coordonné des travaux sur ces questions. Donc c'est tout à fait des personnes qui sont indiquées pour discuter de ces sujets. Je voudrais juste, avant de lancer la discussion, donner la parole à Laura et à Étienne pour présenter leur livre. Après, nous aurons la présentation des commentateurs et des discussions avec vous autres dans la salle. Je voudrais vous signaler que le cycle des conférences qui s'appelle les matinales de l'IFRIS va se poursuivre avec des travaux sur le risque le mois prochain, et que de manière générale, nous essayons de faire en sorte que les sujets de ces matinales soient en relation avec les programmes de recherche qui se développent par des équipes au sein de notre groupement de laboratoire. Donc voilà, je vous donne la parole. Voilà, merci. Merci aussi pour votre intérêt pour cet ouvrage. Alors, pourquoi l'accaparement ? Pourquoi au-delà de l'accaparement? Alors, il faut rappeler que cette idée de land grabbing, d'accaparement, a été popularisée après la crise qu'on a appelée la crise alimentaire en 2007-2008, surtout par l'ONG Green, qui a proposé une définition assez précise, puisqu'il s'agit de l'acquisition de grandes superficies de terre par des multinationales ou des États, et ils ont même fixé un seuil à 10 000 hectares. Donc c'est une définition qui a été largement reprise par la suite, et il nous a semblé en 2011-2012, au moment où l'idée de ce livre a commencé à germer, qu'il était important de décaler le regard par rapport à cette vision de l'accaparement, et on voulait décaler le regard dans 3 directions différentes. D'abord, souligner l'importance d'inscrire ces dynamiques, ces processus dans leur épaisseur historique, de montrer l'implication de multiples acteurs et l'imbrication des différentes échelles spatiales, et aussi de révéler ou de souligner la diversité des mécanismes de dépossession des communautés rurales du contrôle de leurs ressources. Alors, je vais rapidement exposer ces 3 perspectives, et puis Laura, qui font l'objet de la première partie de l'ouvrage, et puis Laura exposera la deuxième partie qui concerne les voies et les défis. Alors, en ce qui concerne la perspective historique, l'épaisseur historique, plusieurs chapitres de l'ouvrage ont cherché à montrer donc l'enracinement des mécanismes actuels
dans les politiques de mise en valeur des espaces ruraux menées en fait dès l'époque coloniale et poursuivies par celles des États devenus indépendants. Alors, par exemple, notamment le texte de Tania Mourali et ma contribution aussi souligne le fait que l'argumentation autour des terres soi-disant vides, des terres vacantes, sous-utilisées, sans maître, les fameux res nullius qui ressort notamment de la common law ou du code civil français en vigueur à l'époque coloniale. Donc, couplé d'ailleurs à une espèce de catastrophisme écologique où les ressources étaient soi-disant mal gérées, en voie de dégradation sévère, est en fait un fait tout à fait récurrent, et cela dès très tôt, dès l'occupation coloniale. Alors, c'est important parce que cette argumentation a servi de fondement, de justification à un certain nombre de politiques, et en particulier à la confiscation de la propriété des terres et de la délégitimation, en tous les cas partielle à l'époque coloniale, des instances coutumières. Alors on voit aujourd'hui la prégnance, la récurrence de cette argumentation et les conséquences de cette patrimonialisation, donc le fait que l'État se soit approprié les droits les plus forts sur la terre, dans un grand nombre de législations foncières encore en vigueur. Et par exemple, là, il y a une contribution dans l'ouvrage de Anne Hanson et de Laura, consacrée au Rwanda, qui montre par exemple comment l'État, aujourd'hui, accorde des terres de marais à des intérêts étrangers, notamment dans le cas de cette fameuse sucrerie, sans compensation. Du fait que l'État considère que les terres de marais n'ont jamais, il n'y a jamais eu de droit de propriété clairement établi, formalisé pour les populations rurales, et que très tôt, donc, l'État considérait que ces terres lui appartenaient. Voilà. Alors, la deuxième conséquence, c'est très rapidement, plus tard, mais quand même déjà à l'époque coloniale, un soutien à un développement d'un marché foncier pour favoriser la circulation des terres et en particulier leur transfert vers les grandes plantations. Donc aujourd'hui, on parle d'accaparement à grande échelle, mais dès l'époque coloniale, il y avait déjà des accaparements très, très importants et certainement à la même échelle. Alors, ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est que parallèlement et de manière un peu inverse à ce discours, à cet argumentaire sur l'intérêt de formaliser les droits, de les privatiser, de favoriser un marché foncier, il y a eu un autre discours beaucoup plus communautariste et presque indigéniste ou pro-indigéniste, qui a visé à surévaluer la tradition, la gestion collective, la redistribution coutumière, à souligner les risques liés à la privatisation, marchandisation des ressources, et à essayer de et à créer en fait une sorte de sentiment identitaire et à installer un pouvoir coutumier, à leur donner un pouvoir qu'ils n'avaient pas, avec en arrière-pensée, évidemment, un contrôle sur ces populations, et donc en créant une espèce de différentes catégories de communautés paysannes, celles qui peuvent accéder au marché, rentrer dans les circuits, et au contraire, celles qu'on doit pouvoir préserver, protéger pratiquement même d'elles-mêmes. Donc c'est une logique de fixation, pour reprendre les termes de Tania Mourali, qu'elle explicite dans l'ouvrage, de fixation des populations et de catégorisation des communautés paysannes entre celles aptes à s'intégrer au marché et celles qui doivent être protégées. C'est
évidemment, hein, on peut considérer ça comme des formes de dépossession des communautés rurales de leur pouvoir de contrôle des ressources naturelles. Alors, deuxièmement, nous avons aussi voulu montrer que le land grabbing, hein, des médias, de beaucoup de discours activistes et même un certain nombre de textes ou de discours académiques n'est que la petite pointe émergée, hein, d'un iceberg beaucoup plus important. Alors, parce que dans les discussions actuelles, contemporaines, la dépossession est souvent pensée comme la résultante des enclosures à grande échelle engendrées par la construction de barrages, l'activité minière, l'exploitation forestière, les plantations, etc., etc. Dans cette perspective, le système capitaliste mondial apparaît dès lors comme totalement surdéterminant. Donc, un certain nombre de contributions de l'ouvrage ont essayé de sortir de cette vision, hein, d'un contexte macro réduisant les paysanneries en acteurs totalement passifs et au contraire à essayer de mettre en évidence des mécanismes beaucoup plus profonds et moins perceptibles qui font intervenir une multiplicité d'acteurs cherchant à renforcer leurs droits sur les ressources de manière excessivement, enfin très 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 variée et très subtile. Alors, on a un certain nombre, enfin plusieurs contributions, hein, soulignent notamment le rôle des élites locales, des acteurs économiques, hein, des, par exemple au Burkina Faso, les fameux agro-businessmen. La contribution sur le Rwanda montre, hein, exemplifie à partir, hein, d'un cas d'appropriation de nouveau des terres de marais par des administrateurs communaux, hein, les stratégies qu'ils utilisent, hein, pour renforcer leurs droits. Il y a une contribution sur le problème d'accès à la terre par les femmes, hein, avec des études de cas au Niger, au Sénégal, en Bolivie, hein, qui montrent que le renforcement ou la formalisation des droits, hein, ne conduit pas nécessairement à une sécurisation d'accès à la terre. Et qu'on, hein, même dans les politiques ou les efforts de donner des droits aux femmes, souvent elles sont amenées plus tard, hein, à en fait ne pas exercer ces droits ou à les céder, hein, pour des raisons diverses, et en particulier des raisons d'endettement ou d'autres, ou de détresse économique. Voilà, donc l'idée est de montrer qu'il y a un micro-capitalisme, hein, pour reprendre le terme de Michael Davis, explicité par Tania Mouali dans sa contribution. Donc, hein, on voulait souligner l'importance de l'échelle micro, hein, dans l'analyse des dynamiques de privatisation, marchandisation et individualisation de l'accès aux ressources. Alors, ces considérations nous amènent au troisième élargissement, peut-être le plus important, qui concerne la multiplicité, la diversité, l'hétérogénéité des formes de dépossession et d'enclosure, au-delà de la forme d'expropriation ou d'accaparement tel quel de terre, qui est généralement attachée à l'expression land grabbing. Alors, ces processus sont généralement liés aux pressions en faveur de la participation, ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes chaînes de valeur globalisées. Donc on a essayé de mettre en évidence un certain nombre de mécanismes, de processus, hein, qui sont généralement liés à ce qu'on a maintenant on appelle les business models, hein, dits inclusifs, hein, parce qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui essayent, ou d'études qui essayent de montrer qu'en fait les paysanneries sont, certaines d'entre elles et parmi elles à l'intérieur de ces collectivités, un certain nombre d'acteurs sont intéressés à
ne pas affronter, enfin, préfèrent ne pas affronter directement les dépossessions, les accaparements, mais s'intégrer dans les deals, dans les modèles qui sont proposés. Alors, on a appelé ça les modèles inclusifs. Donc, ça se fait à travers de multiples formes de contractualisation, de salariat, de leasing, de partage des risques, en tous les cas des partages supposés. Mais ça peut se faire aussi par des mécanismes beaucoup plus diffus ou plus subtils, moins visibles. Par exemple, par le contrôle des institutions publiques, par les intérêts privés. Hein, on connaît des cas, par exemple, au Mozambique, où des investisseurs étrangers prennent en fait en charge les taxes sur l'eau, de manière à pouvoir exercer et se dire, voilà, c'est nous qui faisons fonctionner les administrations de gestion de l'eau. Hein, donc comme ça, ils arrivent à contrôler les modalités, les contrôles d'accès à l'eau. Alors, on peut aussi, donc il y a la contribution de l'OA sur la table ronde autour de l'huile de palme, la RSPO, qui montre comment les mécanismes de certification et d'audit peuvent aussi être des formes d'enclosure, de dépossession. Et donc, ce sont tous des mécanismes, c'est pour ça, donc, le titre de l'ouvrage, Au-delà de l'accaparement, montrer que plus que l'accaparement lui-même, ce sont ces dynamiques-là qui sont vraiment des moteurs de la dépossession, de la perte de contrôle des collectivités rurales, des paysanneries sur leur système de production et d'échange. Et donc, on adhère aux travaux, notamment de Hall, et ses collègues dans le Journal of Peasant Studies, qui préconisent de ne plus parler de land grabbing ou de water grabbing, de green grabbing, mais de control grabbing ou de land control grabbing, qui englobe en fait davantage, de manière plus pertinente, ce processus d'accaparement. Voilà, donc je vais céder la parole à Laura pour la deuxième partie. Merci Étienne. Alors, donc moi je vais aborder la deuxième partie qui va donner une deuxième signification à cette idée d'au-delà qu'on retrouve dans le titre, puisqu'il s'agit dans cette partie d'explorer les réponses et les alternatives qui sont avancées par les mouvements sociaux et les organisations de la société civile pour faire face à ces multiples dynamiques d'exclusion et de dépossession. Alors, parmi ces réponses, on trouve par exemple la définition de nouveaux droits fondamentaux, la réforme agraire, la mise en œuvre au niveau national de conventions de l'ONU qui portent sur les droits des peuples autochtones, de l'élaboration des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, le recours aussi au marché éthique et à la certification, et la réappropriation locale des territoires. Ce sont différentes réponses qui ont été analysées dans l'ouvrage. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas ici commencer à toutes les exposer, parce qu'en fait, l'enjeu, il était davantage d'explorer quels étaient les dilemmes que rencontraient les mouvements sociaux et les ONG, dilemmes qui n'étaient pas sans générer des tensions au sein même des mouvements sociaux. Alors, j'ai choisi de vous présenter certaines de ces lignes de tension, petite sélection étant donné le temps qui nous reste. Alors, une première ligne de tension, elle a trait à la référence au cadre, à une approche en termes de droits humains fondamentaux dans les luttes des mouvements agraires et des mouvements autochtones, des peuples autochtones. Alors, il y a un article qui est celui de Priscilla Classe qui traite précisément de cette question en explorant
les défis rencontrés par le mouvement paysan La Via Campesina pour essayer de définir des nouveaux droits. Parce qu'en effet, donc, La Via Campesina a obtenu que soit discutée au niveau du Conseil des Nations Unies de l'ONU une déclaration des droits des paysans. Alors, ce que cet article explore, il montre donc que l'institutionnalisation par le droit présente un certain nombre de risques, notamment le fait qu'on traduise des revendications, enfin, le fait de traduire des revendications dans le langage du droit peut affaiblir leur potentiel mobilisateur, ça peut confiner leur utilisation à un cercle limité d'experts et donc démobiliser les bases. Et par ailleurs, le droit humain tel qu'il est actuellement codifié dans le droit international, il donne une place importante, et il a une conception plutôt libérale du droit, donnant une place importante à la liberté économique, ce qui est un défi supplémentaire pour les mouvements qui veulent utiliser le droit pour dénoncer l'appropriation capitaliste de la nature. Donc, nombreux sont les activistes du mouvement qui sont sceptiques quant à la capacité de l'État et des institutions à produire le changement social escompté. Et donc, ces acteurs-là, ils mettent plutôt l'accent sur la mobilisation des bases, la valorisation des pratiques locales alternatives, telles que l'agroécologie, les circuits courts. Et donc, on voit qu'il existe cette tension entre des approches institutionnelles visant à définir de nouveaux droits et des approches passant par la réappropriation locale des territoires. Alors, cette réflexion sur le droit, elle se prolonge aussi dans un article de Deborah Delgado sur les lois en matière de consultation des peuples autochtones que les gouvernements boliviens et péruviens ont élaboré en s'appuyant sur le droit international, donc sur ces conventions de l'ONU, aussi les conventions de l'OIT. Et dans ces deux cas d'études, elle montre que l'adaptation de ces lois ou de ces conventions internationales dans les cadres nationaux a été largement contestée par les mouvements des peuples autochtones. Et ce, malgré le caractère multiculturaliste, post-néolibéral que ces États, notamment la Bolivie, sont censés incarner. Et donc la réflexion, elle porte également sur cette limite d'une approche en termes de droit à la consultation, puisque la dimension procédurale de ce droit a engendré des frustrations croissantes pour les populations autochtones en limitant ce qui est le registre de ce qui peut être dit, débattu, ce qui peut être obtenu. Mais l'auteur montre malgré tout que les débats et les mobilisations qui ont entouré l'application de cette loi ont permis de renforcer la légitimité des peuples autochtones et aussi de poser publiquement la question de leur rôle du rôle des peuples autochtones dans les choix de développement, en fait. Alors, une deuxième ligne de tension qui recoupe en partie la première, c'est la question des revendications de type identitaire. Parce que, par exemple, donc, dans cette déclaration des droits des paysans, qui est en discussion actuellement, la notion de paysan, elle se veut large et inclusive parce qu'elle inclut également les sans-terres et les travailleurs agricoles. Mais cette définition, elle n'échappe pas à l'écueil de l'essentialisation en faisant l'impasse sur l'identité complexe et évolutive des familles rurales contemporaines. Alors, et donc cet enjeu complexe, autour des revendications en termes d'identité, il a été analysé dans l'article de Tania Morelli, dont Étienne vous a déjà dévoilé pas mal d'aspects. Donc, en tout cas, l'idée dans cet article, c'est elle propose une analyse historique, en fait, en comparant l'époque coloniale et les discours des acteurs et de certains experts à l'époque actuelle. Et elle montre que déjà à l'époque coloniale, face à la complexité des enjeux fonciers, une approche courante était celle de diviser la population en séparant d'une part les personnes qui étaient destinées à devenir des sujets de marché à part entière et donc avec une possession individuelle de la terre, les séparer donc ces personnes de celles qui devaient être protégées des risques des dépossessions par le marché. Donc c'était en protéger en les cimentant, leur attachement à la terre sur base communautaire.
donc au travers de droits collectifs inaliénables. Donc il s'agissait de dessiner des frontières, d'instaurer des identités distinctes en se basant sur ces concepts d'autochtonie, de différences culturelles, etc. Et alors en Afrique, cet axe, il traçait souvent une séparation entre urbain et rural. Et en Asie, c'était plutôt une séparation entre les populations de la montagne, qui étaient considérées comme des tribus, et les populations des plaines, comme des paysans, qui pouvaient bénéficier de droits de titre individuel, de titre de propriété individuelle. Et donc cette distinction, elle coïncidait parfois avec des différentes pratiques, différents systèmes agricoles, comme le pastoralisme ou autres, mais souvent ce n'était pas le cas, et des groupes ayant des mêmes pratiques allaient se retrouver de manière plus ou moins arbitraire d'un ou l'autre, de l'un ou l'autre côté de cette frontière tribu-paysan. Et elle montre que cette logique, elle se reproduit actuellement dans le discours et dans la pratique de grandes institutions, d'experts, bon, la Banque mondiale, mais aussi bon, des ONG qui luttent pour les droits des peuples autochtones, tous ces experts qui entendent parler au nom aussi des droits, au nom des peuples autochtones. Et ce qu'elle entend montrer, c'est que cette approche sous-estime les processus d'accumulation et de différenciation, d'exclusion qui opèrent au sein même des communautés. Et donc, finalement, elle conclut sur cette idée qu'on ne dompte pas le capitalisme en construisant des murs, et qu'une tâche urgente, c'est plutôt de rendre compte de manière plus fine des différentes facettes de la dépossession. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, ou alors je saute la dernière... Ça va ? Bon, la dernière ligne de tension qui me permet de, quand même de parler de mon article, hein, c'est le dilemme qui touche au type d'acteurs à qui sont adressées les revendications. Parce que dans les propositions que je vous ai présentées jusqu'à présent, il s'agit de l'État et des instances intergouvernementales, mais certains acteurs, principalement les ONG, décident aussi de s'adresser directement aux entreprises, en les forçant au travers de campagnes de dénonciation à adopter certains standards de durabilité et à se certifier. Et donc ce recours à la certification, il est largement débattu au sein des mouvements sociaux, notamment puisque certains critiquent le fait que ce type de certification ne remet pas en cause les modèles de production et de consommation dominants. Mais certaines ONG, même de droits de l'homme, ou WWF, ou Oxfam, adoptent ces stratégies en considérant que c'est une manière plus pragmatique d'infléchir les pratiques des entreprises et de leur faire respecter un certain nombre de principes, comme les principes des droits, le respect des droits coutumiers, le respect de la consultation libre, préalable et informée, etc. Et donc, ce que je montre à travers une analyse très rapproché, très micro de la pratique des auditeurs, c'est qu'en fait, toutes ces notions de droits légitimes, etc., elles sont très malléables, et les méthodes de vérification des auditeurs ont plutôt comme effet de rendre invisibles les revendications des populations locales et en fait de fermer les possibilités d'un débat. Et donc, tous ces mécanismes de gouvernance internationale maintenant qui se basent sur ces instances dites indépendantes et neutres, donc c'est un sens de certification, elles tendent à réduire des enjeux hautement politiques, tels les conflits fonciers, à des questions techniques qui échappent à la dynamique du débat. Alors donc, maintenant, je vais conclure hein, quand même, en revenant sur une question qui nous paraît essentielle, qui est celle de la sécurisation des droits fonciers. Donc Étienne l'a expliqué, qu'une sécurisation par la délivrance généralisée de titres fonciers, elle est largement insuffisante. Enfin, je ne sais pas s'il l'a expliqué, mais donc, il y a beaucoup de critiques sur la titrisation, les programmes de titrisation, en considérant que, combiné à une forte pression sur les terres, la formalisation, les politiques de formalisation, elles peuvent augmenter les risques de dépossession en amenant les acteurs ruraux à vendre leurs terres ou à les louer dans des conditions défavorables, etc. Alors, face à cette problématique, il y a des approches alternatives qui se sont développées et qui visent principalement à faire reconnaître une pluralité de droits, les droits locaux, des droits coutumiers.
Et donc, ce qu'on a montré, c'est les dilemmes et les défis qu'engendrait une telle approche, puisqu'il s'agissait notamment de définir, de dessiner des frontières parfois arbitraires entre des groupes, et que ces situations différenciées, bon, par exemple, le fait qu'il y ait des droits spécifiques pour les populations autochtones a amené les paysans à essayer de formuler aussi leurs propres, de nouveaux droits aussi, pour, voilà, de manière parallèle, ce qui n'est pas aussi sans générer d'autres, de nouveaux défis. Et donc, outre cette mise en lumière des nombreux dilemmes liés à la formalisation juridique, ce qui est vraiment essentiel et ce qui est pointé dans tous les articles, c'est le fait que c'est important de replacer la question de la propriété et des droits dans un ensemble beaucoup plus large de facteurs qui, dans un ensemble beaucoup plus large de processus qui, par lesquels les catégories, certaines catégories d'acteurs en viennent à perdre leur accès à la terre et aux ressources naturelles. Et donc, l'enjeu, finalement, c'est de passer d'une grille de lecture juridique en termes de bundle of rights, donc cette notion qui est bien connue d'Ostrom, de passer d'une grille de lecture juridique à une grille de lecture en termes de bundle of powers. Ça, c'est une expression de Peluso et Ribot et Peluso. Et donc, selon cette perspective, la propriété, elle est certes importante, mais elle est à replacer dans un ensemble de facteurs, dans un ensemble plus large de facteurs qui sont à la fois relationnels et structurels, tels que l'accès au capital, l'accès au marché, l'accès à l'information, etc. Et donc, c'est plutôt une approche en termes d'économie politique des relations foncières qu'on a voulu proposer. Et cette réflexion, elle nous pose donc à réfléchir, à penser le rôle crucial des modèles de développement agricole, puisque le double primat des principes productivistes et marchands, et maintenant qui sont intimement liés aussi à la financiarisation de l'agriculture, eh bien, ils engendrent une insécurité croissante pour les acteurs ruraux, notamment pour faire court liée à la fluctuation des prix agricoles et à la mise en concurrence entre des exploitations de taille inégale. Et puis, comme l'a expliqué Étienne aussi, il y a beaucoup de firmes agro-industrielles maintenant qui accèdent à la terre sans pour autant acquérir des droits sur celle-ci, et ce grâce à différentes modalités de contractualisation entre villageois et entreprises. Et donc, au-delà de ces grandes transactions foncières qui sont largement médiatisées, l'enjeu de fond, c'est la question de savoir dans quelle mesure les populations rurales vont encore pouvoir définir leur propre système de production, d'échange et plus fondamentalement leur propre type de mode de rapport à la terre. Bien, je voudrais d'abord remercier Laura Silva Castañeda et les auteurs de l'ouvrage. Merci aux organisateurs aussi de cette présentation de m'avoir proposé d'y participer et d'avoir souhaité entendre l'avis d'un historien sur le sujet abordé par le livre. Plus que commenter tel ou tel article, je voudrais dire un certain nombre de choses sur l'ensemble du produit et formuler quelques suggestions, quelques remarques critiques sur la problématique avancée et sur la manière de l'examiner. Alors, il s'agit d'un ouvrage qui, à mon sens, a deux qualités principales. Premièrement, son ambition synchronique, c'est-à-dire le fait de chercher à comprendre dans sa complexité le phénomène du land grabbing et d'aller effectivement au-delà de l'accaparement et des formes d'expropriation vérifiées, y compris sur les problématiques du genre. Deuxièmement, sa volonté diachronique, c'est-à-dire la recherche d'une perspective historienne dans laquelle insérer un phénomène qui n'est pas inédit. D'abord, donc, le souci synchronique apparaît dans la diversité des connaissances disciplinaires que les auteurs ont mobilisées afin de mieux comprendre leurs objets d'analyse. Si j'avais des suggestions à faire, elles porteraient sur l'approfondissement analytique nécessaire pour mieux saisir
mieux saisir l'attrait renouvelé du foncier dans le monde économique contemporain, sur la rigueur dans l'emploi des termes, et je pense à trois en particulier que j'ai retrouvés, fonctionnement harmonieux du marché. Qu'est-ce qu'un fonctionnement harmonieux d'un marché ? Deuxième terme, réforme agraire classique. Qu'est-ce que c'est qu'une réforme agraire classique ? Celle du Mexique, celle du Taïwan, celle du Liban. Troisièmement, et je reviendrai un peu plus tard, le terme enclosure. Puis troisième suggestion, l'approche sur les espaces européens où le phénomène commence aussi à être visible. Pourquoi ? Pourquoi aussi en Europe ? Car ce n'est pas seulement sur l'ancien tiers-monde que le landgrabbing se développe. Puis, l'inquiétude diachronique est aussi présente afin de mieux connaître le présent grâce à une meilleure compréhension du passé. Un historien ne peut que saluer une telle volonté, une telle démarche. Mais il peut aussi faire des suggestions, et j'en ai deux à proposer tout de suite. L'une concerne l'histoire des communs et les attaques qu'ils ont subies. L'autre concerne les droits de propriété examinés dans une véritable perspective historique. Premièrement, l'ouvrage édité par les presses universitaires de Rennes en 2003, qui s'appelle « Les propriétés collectives face aux attaques libérales 1750-1914, Europe occidentale et Amérique latine », coordonnée par Marie-Danielle Demblas et par Nadine Vivier. Première référence d'historien. Deuxième référence, plus récente, nous sommes là en 2014, et c'est l'ouvrage coordonné, entre autres, par Gérard Béor du CNRS et de l'École des hautes études en sciences sociales et Jean-Michel Chevet de l'INRA, qui porte le titre, je traduis, « Droit des propriétés, marché de la terre, croissance économique en Europe, dans les campagnes européennes, entre le XIIIe et le XXe siècle ». Je voulais apporter, pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil, puisque je ne les ai pas vus cités dans les références que vous avez employées. Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais faire quelques remarques, quelques critiques sur les questions examinées et sur la façon dont elles ont été abordées. Premièrement, justement, sur les attaques contre les biens communs, les communaux ou les commons, je ne reviendrai pas sur les considérations de Garrett Hardin ou d'autres ultérieurs que vous avez à juste titre critiqués. Pourtant, il faut toujours se souvenir que ce n'est pas la première fois que les biens des possessions et d'utilisation collective sont mis en cause et attaqués. Ces attaques ont pu même remonter au Moyen-Âge, sans parler de la période moderne ou de la période révolutionnaire. Elles ont pu être portées par d'autres protagonistes que nos libéraux actuels, avec des mécanismes variés, tout autant pacifiques que violents, et habillés d'autres arguments relevant du dominium exercé par les seigneurs ecclésiastiques et laïcs. En fait, la volonté d'accaparer les territoires et les biens des communautés plonge des lointaines racines dans le passé. Toutefois, à la différence de ces formes d'attaque et de dépossession anciennes, celles du libéralisme et du néolibéralisme contemporain ont eu la particularité, plus que par le passé, de miner, de déstructurer dès l'intérieur la vie des communautés et leurs règles, leurs équilibres sociaux, y compris sur le plan foncier. Pour cette raison, il faut analyser finement, plus finement encore,
ces processus de décomposition des sociétés communales que des grilles de lecture se focalisant sur les pauvres et les riches ou les petits et les gros sont incapables de rendre. Et ceci, tout en se méfiant des images romantiques des campagnes et des gens du commun ou de la forêt qui seraient devenus, pour le coup, les meilleurs écologistes de la planète. Ensuite, je voudrais revenir sur le Landgraben et le concept d'enclosure qui a été utilisé à plusieurs reprises. Pour tout vous dire, d'emblée, ce sont, à mon sens, les notions d'appropriation, d'expropriation ou des réappropriations de la terre et des ressources naturelles qui rendent le mieux compte pour l'heure du processus de Landgraben. Appropriation, expropriation et réappropriation dans le sens de prise ou d'exclusion du contrôle et de la possession des biens. La notion d'enclosure identifiée à propriété est par trop incertaine. En faire un concept, maintenant, devient hâtif et ambigu. D'autant plus que le Landgraben est à l'œuvre au moment où nous parlons. Dans toute sa diversité de protagonistes, de facteurs, de mécanismes et de moteurs, qu'il a de l'avenir devant lui et qu'il est capable des mutations ou d'adaptations et qu'il peut encore nous surprendre. Les enclosures, c'est mieux au pluriel, historiquement parlant et géographiquement situées, ce sont l'une des formes prises dans ce processus historique d'appropriation et de réappropriation de la terre et des ressources naturelles. Il est pourtant tout à fait normal et légitime de rechercher les formules les plus utiles et les plus lucides pour parler aujourd'hui du Landgraben. Il en a été de même dans le passé. Par exemple, dans le monde hispano-américain que je connais, avec le terme latifondisation, avec ses traductions en espagnol, en anglais et dans d'autres langues. Cette latifondisation évoquant l'idée des créations ou de recréation des gros latifondia. C'est un terme qui a pu s'appliquer, dans certains cas, sur certains espaces, y compris de nos jours, et avec succès. Mais les recherches anciennes et récentes concernant le monde hispano-américain ont fait et font état des différentes formes d'appropriation ou d'expropriation des terres et des ressources naturelles et des rapports complexes que les peuples ont pu entretenir avec leur territoire, loin des schémas classiques, surtout lorsqu'elles sont binaires, hacienda, latifundium, communauté. S'il y a eu la grande appropriation foncière, coloniale et postcoloniale, d'accaparement des terres et des ressources naturelles, il a pu y avoir aussi le maintien des formes d'appropriation précoloniale, parfois camouflées, parfois dissimulées, voire la réappropriation des terres dans certaines conjonctures favorables, y compris grâce à l'initiative des autorités ou de l'État. Mais pour revenir aux notions et aux concepts, pour mieux rendre compte de la complexité du Landgraben, il faut aussi rappeler qu'en Angleterre, puis en Grande-Bretagne, il y a eu enclosure et enclosure. Par la loi, sans loi, voire contre la loi. Les historiens, y compris britanniques, révisent totalement le terme depuis une vingtaine d'années. De par les protagonistes, les motivations et les mécanismes, les enclosures du XVe siècle et du début du XVIe siècle sont différentes de celles du XVIIe siècle et différentes encore des enclosures parlementaires du XVIIIe siècle et de celles du XIXe siècle. Il y a eu dans le monde britannique de l'appropriation, de l'expropriation et de la dépossession sans clôture,
sans enclosure, y compris dans les open fields. Il y a eu tout le phénomène des fermetures des espaces par des individus qui ont opté pour coexister avec des formes collectives de la possession. Et il y a eu également des enclosures menées par des groupes de paysans. En fait, il n'y a pas de lame de fond enclôturale dans l'histoire, mais bien des cycles différents, contrastés, plus ou moins durables, d'expropriation et de réappropriation de la terre et des ressources naturelles. En général, il faut se garder de telles approches passablement imprudentes. J'aurais voulu faire aussi des remarques sur la nécessité incontournable, pour comprendre le Landgrabbing, de regarder ensemble, non pas seulement les divers processus des colonisations, chacun dans sa particularité, mais aussi les processus des décolonisations et leurs aménagements fonciers respectifs. Mais je n'aurai pas le temps et je laisse cela pour la discussion qui va tout à l'heure s'ouvrir. Merci beaucoup. Moi, je voudrais souligner, en fait, le titre est tout à fait explicite, au-delà de l'accaparement. Je pense que le livre n'est pas un livre sur l'accaparement, qui ne fait pas un état des questions d'accaparement. Il traite de beaucoup d'autres sujets, notamment des questions de marchandisation, de dépossession, mais aussi de droits des femmes, de droits des éleveurs, etc. Donc, en fait, je crois que c'est un livre qui pose des questions qui dépassent des questions thématiques précises, mais qui évoque par contre des problèmes très importants, il me semble, sur la question, dès qu'on s'intéresse aux réflexions sur les questions foncières. J'aurais trois points pour souligner un peu l'intérêt de cet ouvrage. Je pense que l'ouvrage souligne trois choses qui me paraissent importantes. D'une part, le fait qu'on vit dans un monde global de plus en plus interdépendant, c'est-à-dire que dans le domaine qui nous intéresse, le droit de dire le droit sur les terres et sur les ressources naturelles se déplace à des échelles de plus en plus grandes, parce que la terre est transférée à des acteurs économiques opérant à distance, ou tout simplement parce que ce qui se passe au niveau local a immédiatement des conséquences globales, comme par exemple les questions des forêts considérées comme des pièges à carbone, et qu'en conséquence, les outils de la régulation, pour des problèmes qui ont des effets distributifs certains, doivent également être adoptés à des échelles plus vastes, de plus en plus grandes. Et on voit bien que, de ce point de vue-là, tout l'arsenal des référentiels internationaux, dispositions en matière de droits de l'homme, de droits des peuples autochtones, les recommandations aux investisseurs et aux États dans leur déclinaison dans les différentes lois des pays, etc. Et là, le livre mobilise en fait ces référentiels internationaux et les référentiels nationaux qui lui ont donné suite, notamment dans les lois nationales, dans les cas de la Bolivie, du Pérou, etc. Je passe là-dessus. Deuxième point qui me paraît intéressant, sur lequel le livre nous interroge, je dirais à un niveau assez plutôt théorique, plutôt de ce que c'est qu'être un chercheur dans ce contexte-là, ou ce que c'est que d'être un expert dans ce contexte-là. Alors, effectivement, le livre se présente en deux parties. Donc, une partie où on a l'impression d'être plutôt sur des études empiriques et une partie qui se présente plutôt comme... la partie sur les études empiriques, ça s'intitule « Processus d'exclusion ». Et donc, on a des états, si vous voulez, dans certains pays de l'exclusion ou de la dépossession. Et puis, on a, d'autre part, des textes qui sont plutôt... qui font un peu l'état de la pertinence de l'application de référentiels internationaux ou de l'action d'organisations paysannes ou de mouvements sociaux comme Via Campesina ou le Food First Information and Action Network. Okay. Ça, c'est, disons, la structure apparente. Donc, on a l'impression d'avoir un bouquin qui est construit autour d'une opposition entre les faits et les valeurs, les faits et les normes. En fait, ce n'est pas ça qui se passe. Et en fait, on voit bien que tous les textes, en fait, essayent d'articuler le rapport entre les faits et les valeurs, le rapport entre les faits et les normes. Et que c'est tout à fait normal, puisque d'une certaine manière, dans ces sujets-là, on est tout le temps dans une tension entre ce qu'on pourrait appeler what is good, hein, et what is accurate, what is true.
Donc on est toujours dans la tension entre les faits sociaux, la mobilisation des faits sociaux d'un côté, mais aussi la mobilisation de normes en rapport avec les faits sociaux qu'on essaye de révéler. Et avec évidemment des emphases différentes selon les auteurs, ceux qui sont sociologues mobilisent d'abord des faits empiriques et essayent de voir dans les normes actuelles et dans les référentiels le type de norme ou le type de référentiel qui va bien avec. Et dans le cas des gens qui sont plutôt dans le registre normatif, il y a aussi une mobilisation de faits sociaux qui va justifier effectivement le fait que tel cadre convient mieux que tel autre. Par exemple, on voit bien, et là, de ce point de vue-là, on n'est pas stabilisé. On voit bien qu'il y a vraiment des vrais débats. Si on reprend, par exemple, le texte de Tania Lee, alors Tania Lee montre, enfin, elle montre bien qu'il y a des référentiels normatifs qui sont mobilisés par des organisations et des ONG internationales, et ces référentiels normatifs obligent à une certaine lecture des frais sociaux, notamment le fait que pour beaucoup de ces organisations, ces paysans sont d'abord des peuples autochtones dont les intérêts sont collectifs. Or, ce qu'elle dit, elle, c'est que sur ces terrains indonésiens, elle, ce qu'elle voit, c'est d'abord des paysans individualistes, fortement imprégnés par l'idéologie capitaliste, ayant effectivement des pratiques capitalistes. Et donc, on voit bien, si vous voulez, comment... dans tous les cas, on est sur un débat qui met en scène, qui met en tension constamment « what is good and what is true ?» et chacun, effectivement, mobilise des faits sociaux à l'usage d'un cadre normatif, en rapport avec un cadre normatif qu'il choisit. On voit bien, par exemple, dans l'article qui s'intéresse aux droits de la femme, on voit bien qu'il y a une certaine conception, projection sociologique de ce que sont les femmes. Les femmes, c'est d'abord, dans ce texte, c'est d'abord des agricultrices, et c'est d'abord des femmes dont le destin n'est pas lié à celle des hommes, ce qui sociologiquement est quand même très intéressant. Enfin, c'est des positions sociologiques très intéressantes. Ces débats-là, si vous voulez, sont aussi des débats qui renvoient à des questions de causalité. Quand on est plutôt sur des idées de peuples autochtones dont il faut essayer de respecter les droits collectifs, on est plutôt sur du land grabbing ou de la dépossession qui est vue comme une causalité externe au système. Quand on est sur du paysan qui est plutôt, dans les pratiques capitalistes, on est plutôt sur de la causalité interne, sur de la dépossession comme d'abord facteur lié à l'interne des sociétés. Troisième point sur lequel je trouve que le livre pose débat, et un débat important, ça m'a été inspiré effectivement par le texte de Laura Silva, dont elle a elle-même parlé, sur les procédures d'audit en matière de culture de palmiers à huile en Indonésie, où elle montre, et je trouve que ça c'est très intéressant, enfin ça rejoint au deuxième débat que j'essayais de cadrer tout à l'heure, elle montre au fond la pluralité des principes de justice. Elle cite en référence évidemment aux travaux de Boltanski et Boltanski-Tevno, Boltanski-Chiapello sur ces sujets-là, la pluralité des principes de justice sur lesquels les hommes, les personnes prennent appui pour justifier un certain cours d'action. Elle montre qu'effectivement, on n'a pas un principe de justice, mais qu'on en a plusieurs, et qu'effectivement, dans le contexte dans lequel elle travaille, c'est aussi des choses que j'ai travaillées dans mon coin, on a au moins trois cités qui sont mobilisables en termes de principes de justice, cité industrielle, cité domestique, cité civique, bon, peu importe. Mais ce que ça veut dire, tout ça, c'est que de manière globale, et si on essaye de dépasser la question de l'audit en Indonésie, du palmier à huile en Indonésie, pour reprendre des questions plus globales, ce que ça veut dire, c'est que dans les rapports entre les hommes et la terre, ou les ressources naturelles, les objectifs sont multiples. Tous peuvent se référer dans une certaine mesure au bien commun, et leur hiérarchie n'est pas assurée, ni non plus d'ailleurs les moyens pour les atteindre. Type de question qui peut effectivement se poser en termes effectivement de réflexion sur le bien commun, qui est capable de nourrir la planète, qui est capable de refroidir la planète, où doit se dire le droit de dire le droit sur les ressources naturelles, dans la communauté ou à Washington ou à Genève.
Qu'est-ce qui est préférable ? Que chacun prenne en charge sa nourriture ou que quelques-uns se chargent de produire la nourriture pour tous, comme ça, ça se passe d'ailleurs déjà dans pas mal de continents. Alors, ce qu'elle montre aussi qui est intéressant, qui doit effectivement nous interroger, c'est que finalement, dans les cas qui l'intéressent, les audits sur le palmier à l'huile en Indonésie, en fait, l'option qui est prise, c'est l'option qui est calculable. C'est-à-dire que finalement, c'est une option peut-être industrielle, enfin de rationalité liée à l'efficience, l'efficacité, mais surtout, ce qui convainc finalement les décideurs, c'est que les auditeurs réussissent à calculer les choses, dans le sens de, je dirais, du centre de calcul, enfin, l'idée de centre de calcul de La Tour et Calon. Hein, c'est-à-dire que finalement, les auditeurs sont capables de dire, en fin de compte, il y a 51% de gens qui sont d'accord, il y a 49% qui ne sont pas d'accord, où il y en a 3 sur 7000 qui protestent, etc. Et que c'est finalement comme ça que se fait la décision, hein, sur la capacité des auditeurs à calculer la protestation ou à calculer, le consensus. Et ça doit nous interroger, parce que je pense que ça se passe beaucoup comme ça. Je crois que je vais... comme disait Peter Drucker, je pense que c'est intéressant, c'est ce qui se mesure qui se fait. Je pense que ça doit nous interroger. Merci. Bon, rapidement, comme ça, on va pouvoir ouvrir au débat. Merci beaucoup pour ces commentaires très, très précis et qui sont très utiles, très stimulants pour cette réflexion. Alors, je vais d'abord commencer par Jean-Pierre Jacob. J'ai trouvé cette notion, en effet, cette idée de tension entre faits et référentiel normatif était vraiment une ligne de fond, comme j'ai essayé de le montrer aussi dans ma présentation. Et il y a peut-être des positions ambiguës des différents auteurs à ce propos, mais en tout cas, il y avait quand même une volonté qui était celle de prendre une distance critique par rapport à certains référentiels normatifs, et de les questionner en termes de, justement de dilemmes, de contradictions, de tensions qu'ils sont amenés à générer pour les mouvements sociaux. Et là, il y avait sans doute un parti pris, c'est que dans la deuxième partie, on abordait beaucoup des propositions qui venaient d'abord des mouvements sociaux et des ONG, avec toujours cette idée quand même de stimuler une discussion à la fois réflexive et critique avec ces acteurs. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de... Et c'est un enjeu clé, évidemment, comment ces référents normatifs, comment est-ce qu'on... C'est tout l'enjeu, peut-être, du livre et cette tension entre les deux parties, de voir il y a des processus d'exclusion qui sont multiples, qui sont très fins, et à côté, il y a des réponses qui, elles, s'attachent à certains idéaux, à certaines normes référents normatifs, mais qui ne sont pas spécialement en accord non plus avec ce qui se passe très concrètement en termes de processus d'exclusion et qui posent donc plein de difficultés pour agir, pour l'action. Alors, juste pour rebondir sur la question aussi des accaparements au Nord, ça en effet c'est vraiment un enjeu qui n'est pas du tout exploré, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup discuté maintenant. Et nous, c'était clairement, on s'est vraiment centré sur l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. On avait des contributeurs de ces différents pays. Et donc, en fait, en effet, il y a maintenant de quoi continuer cette réflexion-là au Nord. Et alors, la question de l'enclosure, moi, je crois que je laisserai Étienne répondre, parce qu'il y a beaucoup de dialogue entre les deux... les deux historiens, je dirais. Mais en tout cas, il y a eu cette réflexion, évidemment, entre les différents auteurs sur la question des termes qu'on allait utiliser. Et personnellement, le terme d'enclosure, on n'a pas voulu l'utiliser de manière... dans l'introduction, on ne définit pas les choses en termes d'enclosure, mais principalement en termes de dynamique d'exclusion et de dépossession. Exclusion entendue comme le contraire de l'accès. Et l'accès, on le comprend non pas dans un sens restrictif en termes de... Parce que dans les approches plus de pluralisme juridique, l'accès correspond à un type de droit. Or, dans une approche plus d'économie politique, l'accès, c'est la capacité
à bénéficier des choses. Il y a plus une logique de pouvoir aussi, et l'exclusion, c'est cette incapacité à pouvoir bénéficier de la terre et des ressources naturelles. Et donc, ce qui est d'où... Et on pensait que cette approche était importante pour comprendre les dynamiques de dépossession des populations rurales, notamment pour pointer ces mécanismes très micro, qui sont ceux de l'endettement, notamment, où il n'y a pas appropriation évidente par un acteur extérieur, mais où il y a un processus qui mène clairement à la dépossession des acteurs ruraux et qui est lié à des modèles de développement agricole. Bon, ça, c'est un petit peu l'approche générale qu'on a essayé d'avancer. Mais je crois que sur la question des communs en clôture, c'est plutôt aussi l'article introductif. Enfin, il y avait un article introductif et puis un article plus historique aussi. Oui, mais alors rapidement, justement pour réagir, hein, je crois que vous avez tout à fait raison de souligner que les attaques sur les communs ne sont pas neuves, elles ont toujours existé. Et aussi, vous dites qu'il n'y a pas de lame de fond enclosurale dans l'histoire, donc ça c'est une affirmation assez forte. Je pense on est d'accord que les attaques sur les communs ont toujours existé. Ce qu'on a surtout voulu montrer, c'est l'émergence d'un discours autour des communs, d'une argumentation, d'un référentiel qui a alimenté à partir du 19e siècle, qui a orienté fortement un certain nombre de politiques notamment en matière foncière. Et donc, j'ai quand même dans l'histoire des communs, ce qui est quand même relativement nouveau à partir des économistes classiques britanniques et en France à partir des physiocrates, c'est cette idée que c'est la propriété privée, le modèle de propriété privée, qui est le meilleur modèle, qui est le meilleur type de relation de propriété, et qu'il faut absolument favoriser. Ça a conduit à la théorie évolutionniste et à l'école des droits de propriété, dont on sait que ça a quand même eu des implications excessivement fortes et des conséquences sur toutes les politiques foncières. Et cela dès les époques coloniales. Donc c'est plutôt ça qui est qu'on a voulu souligner. Donc c'est le fait que y a certains auteurs ont même considéré que l'évolution normale d'une société était l'abolition ou l'élimination de type de propriété communautaire, et qu'avec un des rôles notamment d'un certain nombre, enfin dans certains pays, un des rôles du pouvoir colonial était justement d'empêcher, de freiner cette évolution vers une propriété privée généralisée. Donc c'est vraiment une espèce de darwinisme social, c'est-à-dire les communs sont appelés nécessairement à disparaître. Ça c'était c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même ce qu'il faut aussi souligner. Vous dites ce sont des vagues. Il n'y a pas de mouvement récent ou pas de lame de fond enclosurale dans l'histoire. Bon, tout de même, aujourd'hui, on a tout de même l'impression que l'élargissement de cette privatisation est quand même très très important au niveau des patrimoines génétiques, au niveau des ressources naturelles, du carbone, etc. Il y a tout de même une vague très très importante d'enclosure, c'est-à-dire d'élargissement de cette idée que tout doit être commodifié, c'est-à-dire marchandisé, privatisé. J'aime bien le terme de commodification parce que ça englobe les deux aspects, à la fois marchandisation et privatisation. Donc
tout de même, je pense qu'il y a, aujourd'hui une lame de fond plus importante. Alors, l'enclosure, on a aussi voulu l'utiliser, pas seulement dans sa dimension physique, hein, telle que, hein, on l'a utilisée pour les enclosures britanniques au XVIIe, XVIIIe siècle, hein, mais de manière beaucoup plus large, hein, comme restriction des moyens, des marges de manœuvre, des moyens d'action, des moyens de contrôle, hein, des communautés sur leur système de production et d'échange. Je vous remercie. J'en profite puisque j'ai le micro. Un aspect qui m'intéresse particulièrement, je passerai le micro à la salle après, un aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est cette histoire de... Tu veux que je... C'est cette histoire du pervertissement des politiques de développement qui est lié en fait à la façon dont est défini le collectif dans la négociation ou le porteur, disons, des droits. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour éviter le débat politique, ce qu'a signalé Jean-Pierre Jacob, cette histoire de numérisation, de rendre ce qui n'est pas mesurable n'est pas politique. En gros, voilà. Et donc, pour transformer, disons, ces revendications politiques en des politiques économiques, il faut passer, par exemple, par des experts. Et ces experts étant externes, en fait, délégitiment les acteurs qui sont porteurs d'une opposition aux acteurs économiques, aux grandes entreprises, à ceux qui sont externes. Il y a cette inversion de la cause et de la conséquence du land grabbing qui a lieu, du coup, et il y a une redéfinition de la politique du développement. Alors, on a une sorte d'économie de la connaissance, là, au sens de ranking des différents mouvements sociaux, de la qualité des terres, du type de propriété ou de production qui a lieu sur ces terres, qui remplace la discussion sur les droits, en fait. Et voilà, j'aurais aimé plus tard, ou si vous voulez intervenir là-dessus, éventuellement. Bonjour à tous. Oui, c'est bon. Je suis Michel Merlet, je suis le directeur de l'association ACTER. Et donc j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, pas tout à fait tout, je vais reconnaître, mais une bonne partie du bouquin. Et donc l'association ACTER, c'est une association qui est un peu à l'interface entre la recherche et puis les mouvements sociaux et la société civile. Hein. Et donc moi-même, je suis un chercheur du dimanche, quelque part, c'est-à-dire que je ne publie que de manière très... un peu par hasard, comme l'article que vous avez cité là, dans Monde et Développement, il se trouve qu'on m'a proposé d'écrire un article, je l'ai fait, mais enfin, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement habituel. Et donc, quand je lis votre bouquin, moi, je me pose un peu une question, à quoi ça sert et qu'est-ce que vous voulez faire avec un bouquin comme ça, hein, je pense que l'accaparement, pour nous, c'est un problème mondial, c'est une menace pour la société dans son ensemble, pour l'humanité dans son ensemble. Et il ne faut pas aller au-delà, il faut l'arrêter, carrément. Par contre, il faut aller au-delà des concepts qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. Et là, je pense que le livre apporte un certain nombre d'éléments. Il m'a laissé aussi sur ma faim sur un certain nombre d'autres éléments, parce que les sujets qu'on utilise, et en particulier quand on parle, quand on travaille à la fois en anglais, en français et dans différentes langues, les mots ont des sens différents dans chaque langue. C'est donc extrêmement difficile, sans vraiment rentrer dans le détail, de faire une analyse comparée. Il y a énormément de choses dans votre premier article. Moi, j'étais un peu mal à l'aise avec le fait que les gens que vous citez utilisent les mots de façon très différente et vous n'y faites pas référence. Et donc, finalement, on a un peu du mal à suivre l'ensemble de la réflexion. Oh, ben, c'est pas tellement... On pourra en reparler après, si vous voulez. Mais c'est... Et donc, en particulier, la question de la propriété. Enfin, propriété, c'est un terme sur lequel, dès qu'on le prononce, on est sûr qu'on provoque des centaines de malentendus. Tous les gens qui l'entendent comprennent quelque chose de différent, et donc c'est difficile de s'y retrouver. Après, la question accaparement, land grabbing, par exemple. Pour nous, le grabbing, c'est pas la même chose qu'accaparer.
accaparer, on peut accaparer sans aucune violence. Accaparer, en français, ça veut dire aussi prendre pour soi seul. Et on peut accaparer avec le plein accord des partis qui vous vendent ou qui vous cèdent vos terres. Par contre, land grabbing, grab, c'est plus violent, il me semble, hein, quand même, hein, quelque part. Hein, y a un peu plus de violence derrière tout ça. Donc, il y a des tas de nuances comme ça qui sont compliquées à analyser. Donc, alors, pour revenir à la deuxième partie du bouquin, j'ai l'impression qu'autant il y a un essai qui est méritoire et réussi dans certains articles. Moi, j'ai bien aimé l'article de Laura aussi sur l'Indonésie. Hein, autant il y en a d'autres qui sont pas du tout critiques. Hein, l'article sur les directives volontaires, il est complètement acritique. L'article sur la Via Campesina, il est complètement acritique. Hein, et je me demande pourquoi. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question de la pertinence des axes de lutte qui sont définis par ces grands mouvements, en particulier le droit des paysans? Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est en se battant pour le droit des paysans qu'on va changer les dynamiques d'appropriation massive, d'accaparement, de concentration des richesses au niveau mondial? Moi, j'ai des doutes, personnellement. Hein, de même que les directives volontaires, il y a un encadré qui m'a fait bondir. Hein, quand on dit le premier encadré qui dit « les directives sont volontaires, mais » il y a toute une liste de choses qui sont les vrais problèmes. Elles prennent en compte les engagements des États au niveau international, mais personne ne dit jamais que ces engagements des États ne sont que virtuels, puisqu'ils sont sanctionnés par aucun tribunal qui est susceptible d'imposer des sanctions aux États qui ont signé ces engagements. Or, ça fait 50 ans qu'on se fourvoie, hein, sur l'intérêt de faire des accords sur les droits de l'homme universels qui ne sont pas contraignants. Et on donne l'impression qu'on avance, alors que finalement, on n'avance pas. Or, on peut très bien faire du droit contraignant, les entreprises multinationales, quand on a fait l'Organisation mondiale sur le commerce, on a fait du droit contraignant là-dessus, hein, et ça marche. Et les États qui ne remplissent pas leurs engagements, ils doivent payer des énormes amendes. Hein, il y a des tribunaux, il y a des modalités pour faire les choses qui sont contraires à l'intérêt de l'humanité. Et ces choses-là, on ne veut même pas en discuter pour ce qui serait absolument nécessaire à l'intérêt de l'humanité. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, mais je trouve qu'il y a vraiment une nécessité de revisiter, de remettre en cause un certain nombre de concepts qu'on utilise. Et alors, quand on est marxiste, on s'interdit à tout prix de critiquer la pensée de Marx sur ces questions, hein, alors que Marx n'a pas été au bout de sa réflexion. Marx, il serait aujourd'hui parmi nous, il ne dirait pas ce qu'il a écrit il y a un siècle et demi. Hein, il aurait changé un peu de discours, parce qu'il n'était pas idiot du tout. Hein. Et donc, en particulier sur la question des richesses naturelles, de la valeur, de l'appropriation des rentes, je pense qu'il y a un vrai manque dans la pensée marxiste, hein, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on assimile la terre à du capital, hein, comme le fait la Banque mondiale, comme le font les néolibéraux, et par rapport à ça, on n'a rien à opposer. Hein, parce que finalement, la terre comme richesse naturelle, tu as parlé d'appropriation des richesses naturelles, les richesses naturelles, ça n'existe pas dans la pensée marxiste. Hein, les richesses naturelles n'ont pas de valeur, par définition. Donc il y a un vrai problème autour de ça. Et moi, il me semble qu'on est en face, là, à un véritable phénomène jamais atteint dans son ampleur d'appropriation privative ou de dépossession, hein, de toutes ces richesses naturelles, justement. Et donc ça, c'est fondamental. Et donc par rapport à ça, la vraie question, elle est pas seulement au niveau des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un peu la morale, hein, c'est un peu la religion, hein, c'est un peu notre sentiment de faire du bien. Hein, mais dans la pratique, on n'aborde plus du tout les questions économiques. Donc ces questions économiques, il faudrait les remettre au centre. Et quand on remet les questions économiques au centre, on se pose la question de comment les gens deviennent riches, hein, comment les gens deviennent extrêmement riches. Et ils deviennent extrêmement riches de deux façons, comme toujours en exploitant le travail des autres. Hein, ça a été clairement expliqué et ça reste tout à fait valable. Et puis deuxièmement, en s'appropriant tout un tas de richesses naturelles, hein, qui ne sont pas reconnues comme telles par des mécanismes qui ne sont pas toujours coercitifs. Donc ces choses-là, c'est extrêmement important. Donc il faut, à mon avis, attaquer de manière frontale toutes ces fables autour des investisseurs qui font le bien de l'humanité. Les investisseurs, dans beaucoup de cas, sont des pilleurs, hein, sont des gens qui simplement s'accaparent des biens communs. Et donc ça, il faut le remettre au centre du débat. Et c'est en faisant ça
qu'on va pouvoir réintroduire du calcul dans les évaluations et faire en sorte que les gens qui font des évaluations pour des schémas gagnant-gagnant ou tout ce qu'on veut, là où des choses, comment ça s'appelle là, des, voilà, ton programme, tes programmes de palmes africaines soutenables, hein, il faut refaire du calcul économique là-dessus. Donc ça, c'est un peu tout le travail qu'on essaye de faire, et c'est en partie pour ça qu'on a convoqué, et là je vais faire un peu de pub, parce que je vous invite à participer, qu'on a convoqué un nouveau forum mondial sur ces questions d'accès à la terre qui va se tenir en Espagne, à Valencia, à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Hein, on avait convoqué il y a 10 ans un forum mondial, 12 ans, un forum mondial sur la réforme agraire, alors que personne ne parlait plus de réforme agraire, sauf dans des circuits très très réduits, FIAN et la Via Campesina qui essayaient de continuer à parler de réforme agraire, mais personne ne voulait plus parler de ce sujet. Hein, et ça avait grandement servi à remettre à l'ordre du jour la question de l'accès à la terre. Et la FAO avait organisé 2 années plus tard à Porto Alegre la conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural, alors que ça faisait 27 ans qu'elle n'avait pas organisé de conférence internationale sur ce sujet. Donc là, on estime que 10 ans après, on a beaucoup avancé dans le discours. Maintenant, tout le monde en parle, mais ça a un effet pervers extraordinaire, parce que bien que tout le monde en parle, la situation n'a jamais empiré de manière aussi rapide que depuis pendant les 10 dernières années. Et comme tout le monde en parle, on a l'impression qu'on fait quelque chose. Or, on n'a souvent que des fausses solutions et on n'a absolument rien pour vraiment changer les rapports de force. Donc on a décidé de lancer cette initiative de convocation du forum sur le mondial sur l'accès à la terre. Je vous invite à visiter le site et puis surtout à participer à ce débat pendant les 6 mois qui viennent. Là, on va essayer d'impliquer le plus grand nombre de gens pour essayer d'apporter des idées contradictoires, hein, et nouvelles qui permettent de faire avancer les choses et puis d'arrêter ces processus qui nous mènent directement à des conflits mondiaux absolument insolubles et à des drames extrêmement graves, aussi graves que ceux du climat. Bonjour. Moi, c'est une question. Je n'ai pas pu encore lire votre ouvrage, donc c'est savoir si cet aspect-là est traité ou si vous avez effectué des recherches là-dessus. Je travaille dans une organisation de solidarité internationale française, le CCF des Terres Solidaires, qui a beaucoup travaillé sur l'accaparement. Et dans nos nouveaux travaux, on se rend compte qu'il y a également un processus qui pourrait, alors on ne l'a pas intellectualisé, mais être un accaparement des filières agricoles, où en fait on a parlé tout à l'heure de l'outil de la contractualisation, et pour moi ça c'est vraiment quelque chose de très très identifiable, et on le voit beaucoup se développer, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais la question de l'accaparement des filières, ce serait cette idée selon laquelle des acteurs économiques viennent vraiment prendre le contrôle d'une filière, mais pas uniquement avec un outil de contractualisation, mais vraiment être présent, ces fameuses un peu filières intégrées, mais qui vont être présents à la fois sur des activités de production, de distribution, de commercialisation. Et je voulais savoir si ça, c'était des choses avec lesquelles on pouvait un peu se nourrir dans votre ouvrage. Oui, alors pour revenir sur des commentaires, Michel. Tout à fait d'accord. Il y a donc dans cette deuxième partie, on a invité. Il y avait un choix qui était celui d'inviter des représentants de mouvements sociaux et d'ONG. Alors il y a une sélection aussi qui est faite là. La Via Campesina est une ONG qui lutte pour le droit à l'alimentation. Et en les accueillant, on n'a pas voulu non plus influencer non plus le contenu, ou on n'a pas discuté avec eux de la thématique, mais l'idée c'était de venir avec leur vision à eux de la problématique et des réponses qu'ils y apportent. Après, je pense, et donc ces textes-là ne sont pas critiques du tout, en effet, et sont plus en termes de, on voit en termes de listes comme ça de propositions, où on voit Via Campesina qui parle de 4 approches, réforme agraire, droit des paysans, lutte contre la banque mondiale et les directives volontaires de la FAO. Mais ce sont dans les autres articles, je dirais, qu'on questionne justement ces aspects-là, et qu'on questionne tout l'enjeu autour de tous les problèmes, les défis que pose la question d'une définition des droits des paysans, notamment, et toute la problématique d'une approche en termes de droits de l'homme. Et finalement, mais je suis contente de t'entendre aussi dire que finalement, ce qui est au centre, c'est la question économique, parce que c'est un peu le mouvement qu'on a voulu faire dans l'ouvrage, c'était de dire, attention, on parle beaucoup de sécurisation des droits, c'est toujours la première manière, le cadre d'analyse qu'on utilise pour penser ces problématiques d'accès à la terre et d'accaparement. Et en fait, finalement, dans le fond, il y a une question qui est beaucoup plus politico-économique, c'est pour ça qu'on a une approche plus en termes d'économie politique des relations foncières, et d'où aussi un changement en termes conceptuels pour essayer de penser à des processus
qui mène à la dépossession, même s'il y a des droits. Enfin, c'est pas, il peut y avoir droit sans accès, comme il peut avoir accès sans droit. Et il y a une, cette relation-là, elle doit être problématisée. On ne peut pas tout penser en termes de droits, de légitimité, de normes internationales, etc. Donc voilà. Et je vais oui, je te laisse la parole sur les accaparements, de, aussi sur les questions des filières. Ça, c'est... Mais d'abord... réagir sur les droits des paysans, et on partage tout à fait votre avis sur le fait que, enfin, sur les limites de droits des paysans, mais en même temps, ça peut être quand même important d'avoir une espèce de cadre de référence générale. Et je voudrais donner un exemple concret. C'est le mouvement Beni Comuni en Italie, en particulier autour de l'eau. Ça, c'est vraiment très intéressant à observer, parce que à la fois, ça part du bas, c'est porté par des tas d'associations, la société civile, et, mais il y a un travail juridique qui est fait par le haut. Et bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu ce fameux référendum qui a permis de réinterpréter la Constitution italienne par rapport aux relations de propriété et l'appropriation par des intérêts privés d'un certain nombre de services comme la distribution de l'eau. Et donc, voilà, et c'est grâce à ce travail à une échelle ici nationale, mais on pourrait imaginer que ça se fasse à une échelle internationale, comme ça se fait actuellement au niveau de l'Europe, puisqu'il y a une initiative, la première initiative citoyenne auprès de la Commission européenne, c'est par rapport justement à la lutte contre la privatisation de l'eau. Et donc, c'est grâce à ce travail à l'échelle globale qu'un certain nombre de choses ont pu être faite à une échelle locale, et notamment la remunicipalisation des services de l'eau dans la ville de Naples. S'il n'y avait pas eu cette réinterprétation de la Constitution italienne, les porteurs de ce projet de remunicipalisation de la ville de Naples n'auraient pas réussi à inverser donc le processus de privatisation de l'eau. Donc là, je crois que ça peut quand même être un instrument, même si on sait bien que ça a beaucoup de limites, que c'est très critiquable, parce que c'est une forme de déresponsabilisation et d'individualisation. Ce sont des communs sans communauté. C'est la construction. On essaye de défendre là aussi une recommunification, mais sans communauté. Donc c'est assez problématique. Mais je crois que c'est tout de même quelque chose à approfondir, et un combat qui reste tout de même important. Alors, sur l'accaparement des filières agricoles, bon, on n'a pas de contribution spécifique, mais c'est évidemment fondamental. Notamment, puisqu'on a dit, voilà, il y a aussi land grabbing au nord, et en particulier dans les pays de l'Est. Et on voit, par exemple, ça, ce sont vraiment des accaparements sans acquisition de terres. Ça se fait via la financiarisation, la participation dans le capital des sociétés agricoles, des coopératives et de tous les opérateurs des filières de commercialisation. Donc c'est vraiment une espèce de... C'est pour ça que c'est intéressant de parler de plus de control grabbing que de land grabbing, parce que c'est la prise de contrôle par les grands acteurs, notamment Cargill, qui a des fonds d'investissement, et ces fonds d'investissement acquièrent des parts de capital de plus en plus importantes des sociétés agricoles. Ce sont toujours les mêmes producteurs, les mêmes agriculteurs, les mêmes opérateurs qui cultivent la terre, etc. Mais ils ne sont plus propriétaires de leurs moyens de production. Ça, c'est, ouais.
Et c'est ce qu'on observe, par exemple, au moment dans l'ex-DDR. Hein, c'était des grandes exploitations, très grandes exploitations agricoles. Bon, au moment de la réunification, on voit bien que ce sont maintenant, elles sont accaparées par capital, le grand capital, pour utiliser un terme un peu raccourci. Bonjour. Moi, je suis Amy Dahan, je m'intéresse principalement aux questions du régime climatique. Et je me demandais si il y a eu dans la discussion beaucoup de parallèles, de suggestions, d'interactions entre ces questions. Et en particulier, évidemment, on pourrait introduire tout ce qui concerne les forêts aujourd'hui. Donc je me demandais s'il y avait, parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir encore votre livre, si vous aviez réfléchi à ça, parce que, en particulier, les jeunes chercheurs qui commencent à travailler sur ces questions des forêts, on retrouve tout ce que Jean-Pierre Jacob a indiqué sur tout ce qui est mesuré fait exister, ou mesurer donne une... Et là, dans cette question du carbone, de la comptabilité carbone des forêts et du marché des experts locaux, où on voit la mondialisation locale, à l'échelle locale, s'intriquer et se construire, et se faire, donc il y a énormément de relations. Et justement, la problématique des droits, ou des droits des paysans, etc., reste tout à fait importante, mais insuffisante pour saisir cette complexité d'interaction. Donc c'était juste une question pour savoir si vous aviez eu des ouvertures de ce côté-là, et aussi suggérer que des choses sont à faire. Par exemple, dans la thèse d'une de mes thésardes qui va se soutenir début novembre sur la question des forêts, cette comptabilité, ce nouvel or vert qui est la comptabilité carbone. Elle a un terrain qu'elle étudie de façon socio-anthropologique au Cameroun, et c'est absolument passionnant de voir à l'échelle locale très précise comment ça se passe. Oui, bonjour. Je suis Nelly Leblanc, une doctorante en géographie. Et merci beaucoup pour votre ouvrage. Moi, je trouvais ça passionnant, mais j'avais deux questions. La première, c'est que dans votre introduction, vous dites très justement que l'expression de land grabbing, elle est un peu trompeuse à cause de land, alors que ce n'est pas que la terre, mais aussi beaucoup d'autres ressources qui sont concernées. Et dans votre première partie, vous revenez notamment sur l'interconnexion entre la tenure foncière et la tenure de l'eau, dans l'article sur le Niger, en montrant que l'accès à l'eau et l'accès à la terre doivent être pensés ensemble. Et puis finalement, ça disparaît progressivement dans la deuxième partie. Alors les deux articles de la Via Campesina et de Claire Guffens expliquent bien que l'eau est sortie. Enfin, on ne comprend pas trop pourquoi finalement l'eau est sortie des cadres de mobilisation de ces organisations transnationales. Et puis, ça ne revient pas dans les perspectives plus critiques. Et finalement, vous concluez plutôt sur des transformations entre les relations entre hommes au sujet de la terre et plus tellement au sujet de l'eau. Alors, je me demandais, je suis sûre que vous en êtes conscient, mais je me demandais pourquoi, finalement, l'eau était sortie. Est-ce que c'est lié aux collaborations et aux autres chercheurs avec lesquels vous travaillez? Personne ne travaille sur l'eau. Est-ce que c'est lié à un constat plutôt empirique? Finalement, les relations entre les hommes au sujet de la terre étaient plus révélatrices que celles au sujet de l'eau. Est-ce que c'est lié à une stratégie en se disant finalement on va axer sur la dépossession par rapport à la terre, ce sera plus révélateur ou plus intéressant. Donc ça, c'était une première question. Et la deuxième question, je me demandais si finalement tout cadrer en termes de dépossession, c'était pas d'une certaine façon reproduire une nouvelle fois la vision des paysans qu'on voudrait fixer avec leurs ressources dans un espace un petit peu comme ce qu'expliquait Tania Murelli dans son article, où on a une horrification, on est horrifié devant l'idée qu'ils pourraient vendre leurs ressources pour aller ouvrir un casino. Et donc ce que moi je peux constater, ce que je constate sur mon terrain au Mozambique, où effectivement il y a des stratégies qui peuvent sembler
oui, assez horrifiante de paysans qui acceptent de céder 100 ou 1000 hectares pour aller ouvrir un commerce en ville. Et finalement, cette centrée sur la dépossession donc entre eux et leurs ressources, est-ce que ce n'est pas reproduire notre vision où on voudrait qu'ils soient paysans, alors que peut-être on pourrait apporter d'autres concepts, notamment de mobilité au sein des familles, entre des espaces, de pluriactivité, de stratégie de diversification, et pour réintroduire d'autres regards qui nous permettraient de comprendre les transformations des espaces ruraux. Les questions des autres ressources naturelles, forêts, l'eau. On avait normalement, il y a les contingences aussi en effet qui sont liées aux articles qu'on peut inclure dans un ouvrage collectif, et on peut pas inclure tous les cas. Donc la question de la forêt, normalement, elle allait être abordée par Déborah Delgado, qui a fait sa thèse sur les mécanismes RED, en travaillant justement sur ces liens entre accaparement et tous ces mécanismes de comptabilité, de marchandisation autour du carbone. Et finalement, elle a plus axé son article sur la question de la consultation des peuples autochtones, et qui sont aussi des clauses, ces clauses typiquement qui sont incluses dans ces mécanismes RED autour de la consultation. Mais donc c'est un aspect qui finalement, en effet, n'a pas été exploré en détail, même si c'est abordé dans différents articles, mais pas approfondi à partir d'un cas d'étude. Et au niveau de l'eau, on avait en effet dans la première partie un article très, très empirique aussi sur ces questions d'appropriation de l'espace au travers des puits fonciers, donc tout l'enjeu de l'eau qui est crucial dans les zones de pastoralisme. Et puis, en effet, elle disparaît de la deuxième partie. Elle disparaît aussi parce qu'elle est moins mise en avant, finalement, dans les revendications. Et on voit, par exemple, que dans la négociation au niveau de la FAO, ils ont eu la négociation autour des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers. Et ils n'ont pas... Là, à ce moment-là, ils ont voulu que la question de l'eau soit inclue, et elle n'a pas... C'est un élément qui n'est pas passé dans les négociations avec les gouvernements parce qu'il était considéré comme extrêmement, encore, oui, en fait, qui est crucial et très, très controversé, et donc finalement qui n'est pas passé dans ces cadres-là. Donc ça reste en effet un angle mort jusqu'à présent dans la plupart de ces normes internationales. Et puis la question de la dépossession, oui, c'est une grande question, la question de savoir est-ce qu'on reproduit ou pas cet idéal de la paysannerie de subsistance, qu'on voudrait qu'il continue à travailler la terre, etc. Et on a essayé de déconstruire quand même ce genre de vision, en fait. Même si... la Tania Lee le fait de manière la plus provocatrice, en fait, elle est très... Elle rentre dedans, parce que quand on est sur le terrain, quand on est en Indonésie, parmi les plantations de palmiers à huile, on voit plein de petits... En effet, les producteurs qui veulent participer, qui veulent produire ou qui veulent partir. Et on est obligé de rendre compte de ces mécanismes-là. L'enjeu pour les sociologues et pour les chercheurs en sciences sociales, évidemment, de rendre compte de tout ça. Et en effet, il y a d'où ces discussions autour de l'identité, d'identités tout à fait complexes, plurielles, la pluriactivité, en effet, des familles paysannes, avec la mobilité des migrations à certains moments, où ils gardent une terre. Et puis, par ailleurs, oui, c'est ça, ils ont des emplois à la ville. Donc, en effet, c'est un enjeu qui est très important. Étienne, tu veux rebondir ou... Oui, c'est très juste. Ah oui. Alors, oui, c'est vrai que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs qui soulignent qu'en fait, parmi ces communautés rurales, bon, il y a quand même beaucoup qui choisissent, entre guillemets, une voie qui est plus l'intégration, l'inclusion, l'incorporation dans ces modèles qui sont proposés, et dire voilà, ce n'est pas que de la résistance ou essayer de contrer. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est de voir ce qu'il y a derrière cette
cette incorporation, ce choix de rentrer dans ces modèles à travers des différents mécanismes, leasing, contractualisation, etc. Est-ce que les paysans ont vraiment le choix ? Est-ce que c'est pas simplement, et se dire entre la peste et le choléra, on va plutôt choisir le choléra. Y a une adhésion des paysanneries à un modèle industriel, productiviste, etc., et que la voie paysanne, la via campesina, est quelque chose qui est sans issue parce que on peut pas imaginer que tout le monde va rester paysan et alors, je crois qu'il faut entendre ce type de discours, mais en même temps, il faut rester prudent, quoi. C'est juste ce que je voulais ajouter. En fait, sur cette idée d'attachement ou de détachement paysan, est-ce que les paysans sont attachés à la terre ou est-ce qu'ils s'en fichent pas mal, finalement ? Alors, là aussi, il faudrait quand même revoir les travaux des historiens qui ont été faits depuis quelques années déjà, et qui tendent à montrer que, contrairement aux idées reçues, cette idée de l'attachement des paysans à la terre, à toutes les terres, à toutes les parcelles, à tous les terroirs, quelque chose qu'il faut regarder de plus près. D'autant plus que cet attachement des paysans ou des indigènes a pu être une politique foncière volontaire ou forcée, développée par les autorités coloniales ou les autorités postcoloniales, avec le but de fixer la main-d'œuvre pour certains projets agricoles, miniers, ou pour peupler certaines régions stratégiques frontalières. Donc, dans ces cas-là, et je me permets aussi de mettre en garde et de vous demander de réviser ces concepts, la notion même des communautés, l'idée elle-même des communautés, a pu devenir en fait une créature, une institution coloniale, parfois fondée sur des choses qui existaient dans le passé, parfois créée des toutes pièces, et bien évidemment, les Indiens qui se sont mis à refuser ce type de politique ont été traités, j'ai lu encore ça dans l'ouvrage, d'irresponsables. Il y a des endroits où on les a traités d'irrationnels. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un projet opposé à cette logique communautaire fixatrice, parce qu'ils avaient des projets qui étaient beaucoup plus, on va dire, modernes, beaucoup plus, y compris cohérents. Donc, cela, je voudrais quand même le dire encore, ce n'est pas très nouveau en histoire, ce sont des choses qui ont été déjà examinées dans le passé. Voilà, juste ce mot. Oui, une petite question sur le droit. Bon, autant je suis d'accord avec vous sur l'analyse par rapport au droit des paysans, etc. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un droit, et notamment le droit à la sécurité alimentaire, à la souveraineté alimentaire, qui soit suffisamment fort pour que chaque pays puisse prendre les moyens nécessaires pour maintenir une activité, on va dire, paysanne, en tout cas, au moins, qui permette, je dirais, la sécurité alimentaire des pays. Alors, après, se pose la question des paysans, etc. C'est une bonne question. Je voulais Marc Barbier, donc, je suis membre de l'IFRIS, chercheur à feu, une unité qui a financé l'ouvrage, cofinancé. Et c'est pas pour cela que je prends la parole, c'est surtout pour dire l'importance qu'il faut accorder au-delà, comme ça a été souligné tout à l'heure. C'est-à-dire que dans l'espace de travail dans lequel nous sommes, nous chercheurs, il y a effectivement ce rapport important aux enjeux qui sont portés par les parties prenantes de la société. Et cette question du land grabbing est aussi pleine, comme on vient de le voir, de showstrap, et que toute l'importance du coup qu'il faut accorder à la réalité des phénomènes sous-jacents qui portent aussi les résistances comme les formes d'adaptation à des opérations d'envergure au-delà des 10 000 hectares. Et je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait important à faire aujourd'hui. Et c'est la fonction un petit peu des labos de l'IFRIS que de permettre justement
non pas de se mettre en surplomb, parce qu'on aurait mal pensé l'accaparement jusque-là, mais c'est précisément d'essayer de tisser des lignes de force, des lignes de pensée sur l'ensemble des phénomènes qui peuvent toucher des points focaux, des tensions qui vont être relevées par le mouvement social. Alors, du coup, il y a la chose intéressante que notre ami historien nous invite à penser, c'est le fait qu'il y a des formes qui ont eu lieu précédemment. Et moi, là, en tant que chercheur, là, cette fois plus pour finir, il me semble très important de repenser, du coup, tout ce mouvement marxiste dans l'anthropologie comme dans l'économie, qui s'est préoccupé des questions de structure foncière en lien avec des questions qu'on aborde ici. Je pense à Meyassou, je pense à un certain nombre de chercheurs de ce type, et dont finalement le travail que vous présentez là est une suite qui est donnée à, je dirais, à l'observation nécessaire de l'ensemble de la recomposition des systèmes productifs, mais aussi de la façon dont des paysans ou des acteurs peuvent sortir de ces systèmes et constituer soit des réserves parfois de main-d'œuvre dans certains pays, soit des formes de construction de nouvelles économies en lien avec les villes. Il y a tous ces ensembles de phénomènes. Alors je pense que du coup, le land grabbing en tant que point fixe, que quelque chose qui peut être décrié par le mouvement social, est aussi du coup très important, puisqu'il permet de repérer des systèmes productifs qui sont en train de se recomposer. Et le rapport à la propriété foncière, et c'est peut-être un des points qui mériterait une analyse avec les historiens, et peut-être assez varié de facto dans précisément les phénomènes qui sont observés, les attachements, les détachements vis-à-vis de la question de la propriété, effectivement, sont multiples. De la même façon, du côté de ceux qui s'accaparent, on a aussi des formes de propriété et d'exercice de la propriété très variées. Hein. On peut avoir des mutuelles qui veulent faire du land grabbing. On peut avoir des entreprises, on peut avoir des États qui, alors certes moins marxistes-léninistes que dans les années 70, mais qui peuvent aussi s'accaparer des terres indigènes pour les mettre en régie auprès de grandes entreprises. Donc il y a aussi toutes ces formes contemporaines du capitalisme qui sont très intéressantes à relever, et je pense en lien avec, évidemment, les approches comparatives transhistoriques, si on peut dire. En tout cas, merci pour cet ouvrage. En deux mots, bon, Marc a fait une belle conclusion, je trouve. Mais donc peut-être juste pour rebondir sur la question de la souveraineté alimentaire, c'est un point que je n'ai pas abordé dans la présentation, mais qui est en effet discuté dans l'article de Priscilla Classe, sur, puisque l'idée finalement de souveraineté alimentaire, il y en a aussi qui parlent de souveraineté land sovereignty, bon, mais qui seraient des notions plus englobantes qui permettent de rassembler sous une même bannière en fait, à la fois des populations paysannes, les peuples autochtones, etc. Donc, c'est discuté à nouveau à la lumière de cette détention et des dilemmes que génère une approche vraiment en termes de droit. Mais donc, je vous invite à lire ce bel article. Je ne sais pas si tu voulais conclure. Oui, juste peut-être pour compléter. Donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, la Via Campesina donc, avait développé, introduit ce concept de souveraineté alimentaire est mal à l'aise hein, par rapport à cette idée et semble ne plus vraiment la porter, la défendre. Ils vont plus vers l'optique droit des paysans, droit des paysannes qu'ils essayent d'introduire au niveau des Nations Unies. Parce que c'est très difficile, ça ne dit rien, hein, dire le droit à l'alimentation ou à la sécurité alimentaire, ça ne dit absolument rien sur le comment les luttes sociales qui sont nécessaires, hein, les stratégies, les politiques, les rapports de force à mettre en œuvre hein, pour obtenir cette sécurité alimentaire. Et ça pose aussi les problèmes d'échelle. À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau national? On sait que les frontières de l'État-nation sont en train de voler en éclats. Donc, on sent bien que par rapport, dans la stratégie de Via Campesina, ces questions, ils n'arrivent pas vraiment à faire avancer le débat sur ce terrain et à apporter des réponses. Et on a le sentiment qu'ils abandonnent un peu le combat autour de
de la souveraineté alimentaire, justement, parce que c'est très difficile à mettre un contenu plus précis derrière cette idée. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et donc, on vous invite à venir à la prochaine séance, qui est donc le 8 octobre, ici même.